Moi, étonné, toujours dans le chapitre ça. Et nous pourrons apprendre dans la leçon ça, toute périphérie. Nous, le professeur qui saute parler avec nous, il montre nous tout composant ordinateur. Donc, c'est-à-dire que composant, c'est tout ça qui est rattaché avec l'unité centrale. Donc, il y aurait les boîtiers, hein, l'unité centrale. Donc, tout ce qui se rattache à l'unité centrale ou bien tout ce qui se rattache au boîtier porte le nom de périphérique. Donc, ce sont les périphériques qui se rattachent ou qui se relient ou qui se rejoignent l'unité centrale. Donc, tout ce qui se rattache à l'ordinateur ou à l'unité centrale porte le nom de périphérique. Ce sont les périphériques qui se rattachent à l'ordinateur. Donc, tout ce qui se rattache à l'ordinateur porte le nom de périphérique. Donc, il faut dire que puisque nous avons dit, nous parlons de trois, en fait, six logiciels ensemble. Premier logiciel qu'on a pour là, c'est Windows. Donc, c'est Windows, c'est premier logiciel que, ou même avec moi, nous avons étudié. Donc, nous avons étudié ensemble logiciel ça, qui est Windows. Donc, premier logiciel qu'on a pour ensemble là, c'est Windows. Donc, c'est quoi le Windows? Le Windows, c'est un logiciel d'exploitation à multiples tâches. Je disais, le Windows, c'est un logiciel d'exploitation à multiples tâches. Pourquoi dit-on que le Windows est un logiciel d'exploitation à multiples tâches? C'est parce que en même temps que je travaille sur l'ordinateur, en même temps que je suis capable de faire n'importe quel travail sur l'ordinateur, mais moins capable en même temps à taper sur ordinateur et en même temps à faire un autre bagage. Par exemple, écouter de la musique, je pourrais écouter de la musique en même temps que je tape sur l'ordinateur, je traite un texte sur l'ordinateur. Donc, c'est pourquoi on dit que Windows, c'est un logiciel d'exploitation à multiples tâches. Donc, Windows, qu'est-ce que ça fait pour l'ordinateur? Si l'ordinateur pas gagné Windows la donne, l'ordinateur n'est pas allumé. C'est Windows là qui permet ordinateur l'y allumer. M'a répété là encore. Moi dit si ordinateur pas gagné Windows, ordinateur pas allumé. C'est Windows là qui permet ordinateur l'y allumer. Donc ordinateur l'y allumé c'est parce que l'y gagné Windows là sous. Donc je répète encore la définition de Windows. Windows c'est un logiciel d'exploitation à multiples tâches. Donc c'est l'ordinateur, c'est le Windows, c'est ce, je dirais, ce logiciel qui permet à l'ordinateur de s'allumer. Donc si l'ordinateur pas gagné Windows, il pas allumé. Donc c'est Windows là, qui permet l'ordinateur lui-même l'allumer. Donc si on demande de lancer Windows, si en arrivant à un bureau, on demande de lancer Windows, donc pour lancer Windows, il n'a qu'à allumer l'ordinateur. On n'a qu'à allumer l'ordinateur, donc c'est en allumant l'ordinateur qu'on lance Windows. Donc Windows, c'est le système qui permet à l'ordinateur de s'allumer. Donc, si on m'a dit fermer Windows là, eh bien, c'est pas rien, au moins de encore, ce n'est que fermer l'ordinateur. Mais pour tester, pour soutenir une bonne école, par exemple l'école CTA, qui c'est Centro Tecnologia de las Américas, qui gagne des visites, c'est une école hors pair pour une nouvelle génération professionnelle. Et si vous êtes un bon élève de professeur Semius, vous connaissez Windows là, depuis au moment de fermer, eh bien, c'est ordinateur au moment de fermer. Donc c'est ça qui fait gagner des côté Wallet, juste pour tester pour essayer une bonne école. Donc, vous avez fermé Windows là. En pensant qu'on ne peut pas comprendre, c'est ordinateur au moment de fermer. Maintenant, Windows a son package que lui. Son package que nous parlons tout de suite. Nous parlons tout de suite que Windows a son package. Eh bien, package là, comment le constituer? C'est même genre une valise. Dans valise là, on gagne, par exemple, un cahier. Cahier chimie, cahier maths, cahier physique et autres. Eh bien, Windows a son package. Eh bien, puisque son package,
nous sommes tous composants ordinateur, mais qu'on a après Windows. Et bien maintenant, nous sommes écran là. Lorsque Windows là, est allumé, eh bien, nous gardons là, nous avons écran paraît comme ça. Donc ça, c'est l'écran de Windows. Depuis Windows est allumé, c'est comme ça, écran il paraît. Maintenant, nous avons une bonne image là qui est sur l'écran. Mais avant même, bon, dis-nous, avant même écran, image, yo, mais nous avons tout écran là. Surface écran, ça, l'irélé desktop. L'irélé desktop lorsque ordinateur li allumé. Moi, je dis que surface ça là, l'irélé desktop lorsque ordinateur li allumé. En français, il y a le bureau. Bureau, ou bien écran, ou bien desktop. Si on demande de faire quelque chose sur le bureau de l'ordinateur, c'est ici, c'est sur l'écran. Si on demande de faire quelque chose sur l'écran de l'ordinateur, c'est ici. Donc, c'est ici qui porte le nom de bureau ou bien desktop. Desktop, donc c'est ici, c'est la surface de l'écran lorsque l'ordinateur est allumé. Donc, c'est encore avec vous, votre professeur Semius. Donc, c'est toujours CTA qui offre aux possibilités pour apprendre informatique bureautique sans que ou pas payer un goutte. Donc, il y a une bagaille qui est important, c'est invitons l'autre ami à abonner sous page là. Allez sous page là, c'est ici, allez sur YouTube, ici, YouTube, en tapant YouTube, et allez ici, ou abjoindre CTA, qui c'est l'école ça, qui va aux possibilités Noël. Ouais, ou allez là, et vous capable abonner. Voilà, ou abonner avec chaîne noire. Et c'est l'école ça qui permet que, ou même, ou capable d'une possibilité pour suivre cours ça. Donc, moi dit tout à l'heure, tout ça qui rattaché ici, surface ça, l'écran, ou bien desktop, ou bien l'interface. L'interface de Windows, ou bien le bureau, interface, desktop. Depuis ordinateur allumé, c'est tout non ça au que le gain. Maintenant, nous on bonne petite image là mais yo que m'a touché qui sur écran, qui ça yo même. Eh bien, m'a tourné tout de suite pour nous capable connait qui ça yo.